TV Renard, bonsoir. Aujourd'hui, on va vous présenter deux collections de beaux livres tout à fait abordables pour rentrer dans le monde de l'art et mieux le comprendre. Alors, la première collection, elle s'appelle Ça, c'est de l'art et elle se développe sur plusieurs thématiques. Donc, on va d'abord avoir la thématique des couleurs avec des éditions comme la couleur or, ses significations. Il y a également le rouge. Puis après, on peut trouver le rose ou le bleu. Alors ce qui est bien avec ces collections-là, c'est qu'elles se présentent en 40 notices, donc c'est-à-dire qu'en 40 exemples, on va vous expliquer l'histoire de la couleur, mais également ce qu'elle peut signifier dans l'art. Toujours dans la même collection, donc ça c'est de l'art, on peut également trouver des thématiques sur les personnages. Donc par exemple, on va retrouver des illustrations sur le diable, et sa façon d'être représentée, je ne sais pas, dans des tableaux ou au cinéma, ou sur les sorcières, pour ceux que ça intéresse, c'est tout aussi intéressant. Enfin, ça c'est de l'art et c'est également d'introduire les mouvements artistiques et de les expliquer du mieux possible. Donc on va pouvoir retrouver des livres comme l'impressionnisme qui en seulement 40 exemples va vous aider à mieux comprendre le mouvement et à pouvoir en parler. Pour une collection sur les livres d'art, c'était dur de le faire sans parler de Michel Pastoureau et ça tombe bien parce qu'il a sorti récemment une nouvelle série de livres qui s'appelle Une histoire culturelle. Dans celle-ci, il ne parle pas des couleurs mais il va parler des animaux. Donc on va retrouver des tomes par exemple sur le corbeau, sur le taureau, ou encore sur le loup. Donc c'est très intéressant parce que Michel Pastoureau va s'intéresser à l'histoire de ces animaux et à la façon dont on avait de les percevoir et donc de les représenter. Merci et à bientôt!